C'est Halloween. Et c'est la nuit de Jackie la citrouille. Pouvez-vous la retrouver? Dans la nuit sans lune brille une ombre au-dessus des bois. Les chauves-souris ont peur et volent aussi vite qu'elles peuvent. La citrouille Jackie est là pour briller et vous attraper par surprise. Si seulement vous pouviez la repérer, vous gagneriez le trophée d'Halloween. Essayons à nouveau. Pouvez-vous retrouver la citrouille Jackie à présent? Survolant les maisons visibles, les citrouilles se ressemblent toutes. Mais l'une d'elles possède des yeux et une bouche. Elle est partie et prend vie. La citrouille Jackie est là pour briller et vous attraper par surprise. Si seulement vous pouviez la repérer, vous gagneriez le trophée d'Halloween. Ce n'est pas si facile de repérer Jackie la citrouille, n'est-ce pas? Allons, essayons à nouveau. L'endroit grouille de fantômes et de goules. Il regarde ailleurs et grimace. Mais l'un d'entre eux porte un large sourire, illuminant tout sur son passage. La citrouille Jackie est là pour briller et vous attraper par surprise. Si seulement vous pouviez la repérer, vous gagneriez le trophée d'Halloween. Avez-vous repéré Jackie la citrouille? Où vous a-t-elle vu en premier? Laissez-moi vous présenter mes monstres préférés. Voici Monsieur Brown, il aime marcher en ville. Il s'assoit en haut des buildings, bien que le maire désapprouve. Un jour il s'endormit, toutes les voitures klaxonnèrent. Les gens étaient furieux, ne bloque pas la vue, sale type! Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voici Monsieur Toll, vous ne pouvez pas le voir. Il dort sous vos pieds et s'assure que vous glissiez et tombiez. Il était du genre rigolo jusqu'à ce qu'il rencontre la femme du maire. Elle tomba sur lui violemment et puis il pleura, pleura, pleura. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voici Miss Magique, elle est vraiment très tragique. Quand vous vous sentez heureux, elle vous fait pleurer sans logique. Un jour, elle vit un clown, tenta de changer son sourire en grimace. Elle essaya, essaya, échoua, et on ne la revit plus jamais. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Et enfin pour conclure, il y a petite Madame Yves qui gâche la nourriture que vous cuisinez pour le grand festin organisé. Mais un jour arriva où elle goûta son premier cake. À présent elle est devenue chef et a sa propre pâtisserie près du lac. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voyez mes monstres préférés, de gros angles à Bob Wurz. Ils sont terribles à regarder, mais ils sont vraiment trop idiots. Voulez-vous rencontrer d'autres monstres? À bientôt!
Ils étaient 10 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 9, 9. Ils étaient 9 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 8, 8. Ils étaient 8 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 7, 7. Ils étaient 7 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 6, 6. Ils étaient 6 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 5, 5. Ils étaient 5 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 4, 4. Ils étaient 4 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 3, 3. Ils étaient 3 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 2, 2. Ils étaient 2 dans un lit et le plus petit dit « Retournez-vous, retournez-vous !» Ils se sont retournés et un tomba. 1, 1. Il n'y en a plus qu'un dans le lit et il te dit « Bonne nuit !» Nous sommes la famille Doigt. Papa Doigt, Papa Doigt, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Maman Doigt, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Frère Doigt, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Sœur Doigt, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Bébé Doigt, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue. J'entends des pas qui s'approchent donc. Je vois un fantôme. Oh non! Je vois un fantôme. Cours! Je vois un fantôme. C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue. J'entends des pas qui s'approchent donc. Je vois un zombie. Oh non! Je vois un zombie. Attention! Je vois un zombie. C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue. J'entends des pas qui s'approchent donc. Je vois un vampire. Oh non! Je vois un vampire. À l'aide! Je vois un vampire. C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue. J'entends des pas qui s'approchent donc. Je vois une sorcière. Oh non! Je vois une sorcière. Sauvez-moi! Je vois une sorcière. C'est la nuit d'Halloween, pas une âme en vue. J'entends des pas qui s'approchent donc. Je vois un squelette. Oh non! Je vois un squelette. Cache-toi! Je vois un squelette.
Humpty Dumpty, il tombe toujours de haut. Humpty Dumpty, assis le haut d'un mur, tombe de haut et craque sur le sol très dur. Ni les grands, ni les petits n'ont pu recoller les morceaux de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, assis le haut d'un mur, tombe de haut et craque sur le sol très dur. Ni les grands, ni les petits n'ont pu recoller les morceaux de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, assis le haut d'un mur, tombe de haut et craque sur le sol très dur. Ni les grands, ni les petits n'ont pu recoller les morceaux de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, assis le haut d'un mur, tombe de haut et craque sur le sol très dur. Ni les grands, ni les petits n'ont pu recoller les morceaux de Humpty Dumpty. Minuscule petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la minuscule toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. La minuscule petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la minuscule toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. La minuscule petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la minuscule toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. La minuscule petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et a emporté l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la minuscule toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. Un jeu de cache-cache. Je compte jusqu'à 10 et vous vous cachez. Je promets je ne regretterai pas. Prêt ou pas, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Prêt ou pas, j'arrive pour trouver chacun d'entre vous. Caché derrière les murs. Et toi es le dernier que j'ai trouvé. C'est ton tour de nous trouver tous. Prêt ou pas, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Prêt ou pas, j'arrive pour trouver chacun d'entre vous. Un jeu de cache-cache. Je compte jusqu'à 10 et vous vous cachez. Je promets je ne regretterai pas. Prêt ou pas, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Prêt ou pas, j'arrive pour trouver chacun d'entre vous.